Ça me rappelle ce qui a nourri mon enfance. C'est avec quoi on nous a élevés. Aïe, le foufou. Mais cette fois-ci, c'est le foufou de pommes de terre. Pas le foufou de manioc. Foufou de pommes de terre. Fait à base de pommes de terre fraîches. Bio. Sans farine. On maîtrise ce qu'on mange ici. Oh, la joie de mon enfance. Là, nous avons nos pommes de terre. On va d'abord les épeler et on va écraser pour en faire le foufou de pommes de terre. Avant de les écraser, il faut les découper en petits morceaux. On va le mixer. Là, nous avons 607 grammes de pommes de terre découpées. Nous allons bien écraser les pommes de terre. Nous avons également le tamisier. Les patients avec l'insuffisance rénale avec l'hypercalémie ou bien l'hyperphosphérémie, ils doivent, n'est-ce pas, filtrer comme ça et jeter cette eau. Parce que cette eau est très riche en calcium et en phosphore. Filtrez bien vos pommes de terre écrasées, tamisez et enlevez tout l'excédent d'eau. Vous mangez juste la pulpe des pommes de terre. Là, la tenance en phosphore et en calcium sera vraiment diminuée. Ce sont des astuces de morphologie. Dans de l'eau, j'ai ajouté 2 prises de sel et 40 g de beurre. Et maintenant, on va commencer à préparer notre foufou. Nous allons transvaser nos pommes dans la marmite de préparation. Maintenant, remuons progressivement jusqu'à l'obtention d'une pâte épaisse. Et ceci se fait à feu très très réduit. On va le remuer jusqu'à l'obtention de notre foufou. Gentiment, sagement, on le remue. Voilà les amis, notre foufou de pommes de terre, aux pommes de terre bio naturelles, recette très facile. Ah, c'est joli foufou. On va le manger avec une sauce d'arachide dans laquelle on aura mis un peu de gombo. Cette recette, c'est particulièrement, c'est bien pour les gens qui souffrent d'insuffisance rénale. Vous voyez, c'est justement comme un foufou. Si vous n'avez pas le coco, le macabo râpé, faites avec les pommes de terre, on a le même résultat. Très, très bon. Regardez comment ça tire. Oh là là, super. Là, nous avons l'amidon de nos pommes de terre. Nous avons ajouté à notre préparation. On va tourner et on va laisser cuire. Ça, c'est l'amidon de pommes de terre que nous avons là. On ajoute à la préparation. On tourne là. On va bien tourner, on va bien mélanger. On va bien mélanger comme ça. Voilà, notre foufou étant déjà presque cuit, nous allons ajouter un peu d'eau, encore minimum 5 minutes, 5 à 10 minutes, hein, pourquoi pas. On recouvre et on laisse cuire. Notre foufou, ainsi terminé. Maintenant, nous allons l'emballer et manger ce foufou tiède. Notre foufou bien emballé, on va le laisser tiédir avant de manger. Voilà les amis, notre foufou de pommes de terre, la sauce d'arachide, ainsi terminée. Je compte sur vous pour vous abonner, liker et surtout partager.
quand j'ai la recette. Laissez-moi saliver. Je salive déjà. Je ne peux plus attendre. Oh yo 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 yo. Oh yo yo yo. Voilà à quoi ressemble notre foufou. Vous voyez? On dirait le quacoucou. Exactement comme le quacoucou. Regardez ça. Hein? Très très bon. Trop bon. Maman, quand elle dit que ne laissez pas que je vais accoucher, ce qu'elle a fait là, elle s'attaque ici derrière. Ça me rappelle les grands souvenirs. Quand tu rentrais de l'école, tu arrives à la maison, tu vois, on t'a sorti un koum-koum. On a bien grillé. Avec un peu de gombo dedans. Comme ce que je viens de faire là. Maman, l'odeur te frappe là-bas au carrefour de l'Oba. Ça sent fort. Tu commences à bénir la matière à mon frère. Il dit, wow, que Dieu donne longue vie. Quoi coucou. Ça, c'est le quoi coucou. Les pommes écrasées, c'est comme les pommes râpées. Comment la texture de ça. Regardez, ça ne tombe pas. Hein. Maman, c'est lié. Ah, ça. Boy. La nourriture africaine. Aïe. La patate. La chimamelu. On va manger de ça. On m'a pas arrêté ça avec la fourchette. On va dénaturer le goût de ça. On chapille le jacique avec les baguettes magiques naturelles. Ah, ça, c'est bon jusqu'à. Oui, oui. Je voulais cacher ma face, mais là, la honte est partie sur ça. Regardez-moi, c'est maman et dose moi ça. Ça, le régime, c'est compliqué. Je ne peux pas vous mentir, c'est trop chaud. Même je veux bien faire le régime, non. Mais la qualité de nourriture qui sort dans ces mamies, c'est là. Faut laisser. Le quoi coucou des pommes de terre. Très facile à réaliser. Facile. Ça ne prend pas la tête. Tu fais ça vite, fais bien, fais ça, c'est fini.